Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, venez le faire, venez nous rejoindre. C'est une grande famille, vraiment accueillante et unie. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment apprécié. On est le 2 avril qui se poursuit, 2 avril, et vraiment 2024, 14h heure du Québec, heure pile. On vit vraiment des moments des plus uniques, hein, troublants. Il y a beaucoup de gens qui perdent la tête en ce moment, qui s'en vont dans toutes les directions avec des théories de conspiration, des plus loufoques et vraiment des plus dommageables pour l'équilibre et la santé humaine. Je voulais un conseil, restez loin de ça. Ça apporte rien. Ça apporte rien dans la vie, sauf souvent de passer pour un imbécile. Ceci étant dit, il y a une petite nouvelle que j'avais oublié de vous partager, qui date du 29, il n'y a pas si longtemps, juste en restant dans l'idée de cette intensification des... sous le minimum solaire, grand minimum solaire, de l'activité sismique et volcanique, on a vu, il y en a plein, hein? Et il y en a eu un qui m'avait été partagé de Piémont à 3,9, que j'avais oublié de vous partager, peut-être que vous étiez au courant. Nouveau tremblement de terre, cette fois-ci, dans le Piémont, 3,9 sur l'échelle de Richter. Décidément, la terre tremble depuis une grosse semaine dans nos régions, après plusieurs petits tremblements de terre enregistrés depuis le week-end dernier, notamment dans le Briançon. Donc, les cousins français, vous avez été touché par ce tremblement de terre. Puis ça m'amène à vous parler de cette nouvelle-là maintenant, avant que je vous revienne avec d'autres choses. Et c'est d'abord un tremblement de terre dans l'Utah, puis au Nevada et en Idaho, hein, le 6,5. L'Amérique du Nord s'étire et cela pourrait se terminer par une très mauvaise secousse. D'abord un tremblement de terre à Salt Lake City, puis un près de Reno, Nevada, puis près de Boise, en Idaho, et un petit choc ressenti à travers Yellowstone. D'abord un tremblement de terre, comme on vient de dire, les pensées effrayantes envahissent nos esprits. Sommes-nous à la fin? Le volcan de Yellowstone éclatera-t-il? Pourquoi avons-nous un virus et des tremblements de terre? Aussi difficile que cela puisse paraître, c'est juste une partie normale de la vie sur notre planète. Et Yellowstone n'éclatera pas, mais qu'en est-il de cet étirement provoquant des tremblements de terre toujours plus puissants? Nous avons déjà fait face à des infections mortelles et des tremblements de terre. En 1918, on a également demandé aux gens de prendre leur distance. La grippe espagnole s'est propagée dans le monde entier. Des tremblements de terre meurtriers ont frappé la Chine, les États-Unis, les Philippines et la Russie. Et puis, tout cela... En plus de tout cela, nous combattions la Première Guerre mondiale et Trump est en train de nous organiser aussi une autre guerre avec l'Iran. Il y a eu des menaces, je vous reviendrai là-dessus. Ce qui se passe actuellement dans l'Ouest des États-Unis est un processus constant appelé étirement du continent. L'Ouest s'étend sur environ un quart de pouce par année, puis après si longtemps, les zones de faille normales glissent. Quand ils le font, nous le ressentons comme un tremblement de terre. Il y a quelques années, tout le monde s'inquiétait de la caldeira de Yellowstone ou de ce qu'on appelait à la télévision le supervolcan de Yellowstone. Mais les scientifiques disent non, il n'y a pas de relation évidente avec les tremblements de terre qui ont frappé ces derniers jours. Et on a dit qu'il est possible qu'un gros tremblement de terre déclenche des tremblements de terre plus petits. Le professeur Cooper expliquait que le tremblement de terre de Boise aurait pu provoquer une vague qui a déclenché de plus petits tremblements de terre à Yellowstone. Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve que ce soit produit. Mais on ne le sait pas, on est dans l'inconnu, hein? Mais on sait que c'est cyclique. Nous, on sait que même Yellowstone est en retard dans son activité cyclique, que tout est cyclique. La dernière fois que ça s'est produit, Yellowstone, c'est il y a 640 000 ans. Et il est en retard dans son activité. Yellowstone a également eu une activité sismique de 700 à 3000 tremblements de terre par année. La plupart ne sont pas ressentis. Il y a 3 ans, nous avons signalé qu'Yellowstone a eu 900 tremblements de terre en 2 semaines. Donc, naturellement, on est dans un cycle. Les cycles fonctionnent à leur façon. On n'est pas capable vraiment de les prédire ou de les désidentifier, mais on sait qu'il y a plein de grosses choses qui nous attendent, plein de gros cycles cataclysmiques qui nous attendent. Puis, la façon dont c'est parti maintenant avec cette... simultanément, ces 3 changements dont on parle, hein, climatiques, sociaux, financiers et de relations internationales, je ne serais pas étonné qu'on soit dans un cycle d'un grand cataclysme à venir. Puis on le sait, nous autres, on s'est préparé à... Personne n'aurait prédit il y a 3 semaines ce qu'on vit maintenant. Soyez sur vos gardes, soyez toujours prêts au pire.
au moins, vous ne serez pas surpris, puis vous pourrez réagir calmement. Je vous reviens.